Salut à tous! Aujourd'hui une vidéo qui sera un peu méchant Fred et un peu j'ai envie de rigoler un bon coup. Je vais vous parler de la Swag Arch Linux 2010, enfin de 16.10.2. Pas 2016.10.2. C'est l'édition dite d'Halloween. Donc le thème sera plein de citrouille et d'esprit chagrin. J'avais déjà parlé de la Swag Arch dans la série DGLFI, distribution GNU Linux franchement inutile. Et puis je me suis dit, on va en parler à nouveau parce que là, je pense qu'on a atteint un niveau de forquerie, utilisation abusive du fork, qui tourne au comique. Je ne vous en dis pas plus, vous allez comprendre pourquoi. Comme d'habitude, tous les détails sont dans un lien dans le descriptif. On est parti, la vidéo sera très courte, ça fait 10 minutes, ce sera le bout du monde. On est go. Donc, comme son nom l'indique, c'est une Arch Linux. Voilà. On a des outils comme PAMAC que j'utilise pour me servir de notificateur. On a une présentation à la macOS avec un Excel pour travailler pour présenter à la macOS, pour présenter à la macOS avec une barre Planck en bas. Un dock avec Planck. L'utilisateur avec Calamares, c'est pas plus mal que ça. Mais il y a autre chose. Vous allez comprendre pourquoi. Voilà, donc on a un thème qui est assez sympa. Faut aimer les thèmes inspirés de citrouille. Voilà, tant que ça se charge. Voilà, donc on a un jeu d'icône, je crois que c'est Arc, qui est tiré de SolisOS, enfin du Solis Project, pardon. Donc c'est simple à savoir le thème. Donc là, c'est le thème Arc Darker. Vous voyez qu'on a un noyau 4.8.4, on a 821 paquets installés, c'est quand même un peu beaucoup. Arc Darker, et il mange 300 mégas à peu près. C'est pas excessivement lourd. Donc la présentation est sympa, ça on ne peut pas lui enlever. On a KeePass X2 pour gérer les mots de passe. On a le moniteur système qui est celui de GNOME. Pourquoi pas? De GNOME 3.22 pour être plus précis. Pourquoi pas? Voilà. On a PAMAC en haut avec le notificateur qui est très pratique. Ça, je vous le conseille, c'est un outil qui est super pratique que j'utilise sur mon Arch, ne serait-ce que pour le côté notificateur. Alors, les paquets. On va voir si c'est des paquets orphelins. Donc, ces deux-là, on va pouvoir les virer. Il y a un dépôt spécifique qui s'appelle Swag Arch. Si on va dans les dépôts, voilà, Swag Arch Repo. Donc on s'aperçoit qu'il y a des outils comme des curseurs, OpenSwap, what the fuck. Pardon, excusez. Donc on a PAMAC AUR, le gestionnaire, on a Planck, on a des outils, on a les fonds d'écran, on a l'outil de l'outil le gadget, je trouve mes mots, désolé, pour gérer l'audio qui est géré par Pulse Audio. Voilà. Le greffon Pulse Audio. On a cet outil dont je vous parlerai après, parce que rien que le nom Swag Arch Static Manager, ça va vous dire quelque chose, mais vous comprendrez pourquoi après je dis que le fork tourne au comique. Par contre, on a très peu d'outils installés. Enfin, d'outils installés. On n'a pas d'outils bureautiques, donc il faut passer par PAMAC pour l'installer. C'est pas un mal. Donc on a GIMP. Côté internet, on n'a que Firefox. On a Praga pour écouter la musique. Je crois me souvenir que c'est une surcouche à MPD. Musique Player Daemon. À moins que ce ne soit pas le cas, je ne sais plus. Non, je pense pas que ce soit un outil qui soit une surcouche à MPD. Non. C'est un petit outil pratique, très léger. Je suis pas super fan, mais je préfère Quodlibet. Les goûts, les couleurs. Hein. Donc, KeePass X, c'est pour gérer les mots de passe. Pourquoi pas? Donc, c'est pour ça qu'on a Qt4 installé.
Non, sinon l'ensemble est agréable, c'est assez rapide, comme vous pouvez le voir. Mais c'est pas le pire que j'ai pu voir, hein. Loin de là. Mais par contre, je vais vous montrer ce qui me dit, qui me fait vraiment exploser de rire. C'est Stargate Zeton Manager. Je vous laisse 30 secondes, enfin, je vous laisse 15 secondes, et vous allez me dire à quoi ça vous fait penser. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Allez, vous n'avez pas reconnu le Manjaro Setting Manager? Un superbe fork du Manjaro Setting Manager. Ouais! Encore si ça apportait quelque chose. Je veux bien qu'un fork, quand il apporte quelque chose, soit utile. Mais si c'est juste forker pour le plaisir de forker et avoir un outil qui a l'air très bien et adapté sur une base Arc, quel intérêt? Surtout qu'il sort la partie de gestion des noyaux. Donc il le castre en partie. Ouais. Dans ce cas-là, vous savez quoi? Si vous voulez quelque chose qui soit vraiment plus fiable et plus solide dans le temps, vous me prenez le Manjaro à XFCE, vous lui rajoutez Planck, vous lui rajoutez le thème d'icône en question, et vous avez votre Swagarch. Et vous avez une base beaucoup plus viable à terme. Moi, c'est vrai que là, j'avais dit que c'était une DGLFI à l'époque, mais je ne peux que confirmer cette impression, quoi. Là, quel intérêt? Si ce n'est que pour le plaisir de faire une distribution pour son CV. C'est méchant, mais c'est la réalité. Au moins, on ne peut pas ôter une certaine qualité de base. On n'est pas déjà derrière la énième Ubuntu, à la C-Ubuntu ou autre cochonceté de ce style. Mais intérêt, moins l'infini. Faut être réaliste. Qu'une personne se fasse une distribution comme ça, d'accord, mais est-il besoin de prendre d'ouvrir un site pour si peu? On aurait tout ceci bien fait de dire, bon, mais vous prenez tel logiciel, vous installez tel autre. Et bon, point barre, on n'en parle plus. Voilà à quoi ressemble le sud de la Stargarche. Voilà donc, si je vais sur swagarch.github.io, voilà le site de la Swagarg. Swagarch, pardon. F12. Voilà, donc on a le Wake. Ouais, c'est sympa, mais ça ne casse pas trois pattes à un canard. Est-il vraiment besoin de pondre une ISO pour si peu? Je me pose la question. Sincèrement. Voilà, donc là vous avez le code. Si vous avez envie de reproduire, je ne suis pas arrivé parce qu'il y avait des problèmes de clé et compagnie. Mais voilà. Soit desktop settings, voilà, c'est le clone, enfin, c'est pas celui-là, c'est pour moi. Soit tag setting manager, voilà, forked. Pourquoi forker un outil? Pourquoi ne pas partir directement d'une base Manjaro? Je vais vous montrer comment on peut personnaliser un peu l'ensemble. Mais je m'excuse, autant partir d'une arche tout fraîchement installée. Rajouter des paquets depuis AUR. Au moins, on est sûr et certain d'avoir des paquets récents, ne serait-ce que pour l'apparence. On est certain de ne pas tomber sur des paquets qui sont trop vieux. Bon, bien sûr, on a des paquets compilés. Bon. Parfois, il arrive que les paquets ne se compilent pas. Mais voilà, je vais installer LibreOffice fraîche. Voilà, donc vous voyez. Je ne sais même pas si Cube s'est installé, mais. Graphie, Internet, multimédia, robotique. Je ne sais pas savoir. Oui, Cube s'est installé, donc c'est bon. Mais.
Ça, c'est le genre de distribution qu'on peut très bien reproduire en 25 à 30 minutes depuis la base sans avoir besoin de créer une ISO. Enfin, si personne s'amuse à vouloir faire une ISO, très bien, mais c'est pas franchement une distribution que si elle disparaît, ce sera une grande perte. Loin de là, hein. Ça ressemble plus à un projet personnel qu'on a voulu professionnaliser qu'autre chose. C'est tout, faut être honnête. Après que certaines personnes prennent du plaisir à le faire, mais tant mieux pour elles. Il y a bien des personnes qui apprécient le sadomasochisme sur le plan sexuel. Chacun ses plaisirs. Mais ce n'est pas personnellement quelque chose qui m'excite franchement, quoi. je pense être BLC. Ouais, c'est BLC. Donc là, on a LibreOffice qui va être disponible dans Bureautique. Voilà. Oups là, en attendant que LibreOffice s'installe complètement. J'étais un peu trop rapide. Sinon, c'est fonctionnel, mais ce genre de distribution, on prend un document de 4-5 pages, on le reproduit. Et on évite de se retrouver un jour avec un dépôt qui ne fonctionne plus parce que la personne aura décidé, bon, mais je ne maintiens plus ma distribution, j'en ai plus envie. C'est tout. Donc là, je vais relancer le petit bureautique. Voilà, on a LibreOffice. Avec le thème Arc qui ne fonctionne pas très bien, mais voilà. Donc, il n'y a pas de quoi casser trois pattes à un canard. Je crois qu'il y a même un outil pour gérer le pare-feu. La configuration de pare-feu, je pense être. GUFW, s'il veut bien se lancer. Ouais, c'est GUFW, oui. Donc l'outil de pare-feu le plus basique qui existe. Et qui fonctionne très bien d'ailleurs. Et qui n'a pas été mis à jour depuis près d'un an. Oui. Donc voilà, ben, c'est tout, quoi. Il n'y a pas grand-chose à rajouter, hein. Ça fonctionne, mais l'utilité. Là, c'est la question qui se pose. Donc, vous comprenez pourquoi on tombe limite dans le comique, parce qu'il y a un fork pour forker un logiciel. Ouais. Pourquoi pas? Mais personnellement, je vois pas vraiment intérêt par rapport à une Manjaro. Parce que ça recopie la Manjaro XFCE en lui appliquant une personnalisation. Ouais, c'est tout. Faut rester réaliste. C'est du Manjaro, une Arch Linux manjarisée. Voilà. Il n'y a pas d'autre mot. Voilà, c'était une vidéo un peu courte. Désolé si elle était trop courte, mais là, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Il n'y a rien à rajouter. Sur ce, je vous dis salut à tous, à la prochaine. J'espère, je vous souhaite une bonne journée. Bye bye!